Depuis le mois de juin, le processus de réforme au sein du FITEB a démarré. En voici l'un des couronnements. Nommé en Conseil des ministres du 21 novembre 2015, Éric Hector Nkwe, poète, ambitionne relever de grands défis à la tête de cette direction. Sa nomination, en effet, ne doit rien au hasard. Un travail de longue haleine au sein du conseil d'administration de la dite structure a permis de dégager trois noms. Des noms soumis au ministre de tutelle pour désignation. En mettant les trois noms, ils ont mis les points que chacun d'entre eux a réunis. Nous nous soumettons à ce qui est fait. La politique ne va plus se mêler à certaines institutions de notre pays. Créateur polyvalent et enseignant dans les techniques d'expression écrite et orale, Éric Hector Nkwe s'est construit une solide personnalité ainsi qu'une expérience d'exception au théâtre. Conteur, acteur de théâtre et de cinéma entre autres, il affiche de grandes ambitions pour le monde de la culture. Que rêvons-nous de faire du FITEB si Dieu continue de nous prêter vie? Eh bien, je l'avais déjà subodoré, bureau. Nous allons continuer ce qui a été bien dans le passé et contribuer à corriger ce qui doit l'être aujourd'hui pour qu'émerge une nouvelle tour fidèle. Mais surtout, nous allons, dans la modestie de nos moyens, inventer, innover, en opérant quelques réformes. La mission première assignée à Éric Hector Nkwe est de taille. Organiser le Festival international de théâtre du Bénin sous 8 semaines. Il a promis relever le défi et redonner au milieu du théâtre béninois son éclat le plus lumineux.